Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club pour parler de GTA Online et d'un futur événement qui arrivera prochainement sur GTA Online. Ce sera donc l'événement Junk Energy contre la montre vélo. Et avant de continuer la vidéo, j'en profite au passage pour vous signaler que je vous ai parlé des deux inductors hier en vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous voulez voir une petite présentation rapide de ces deux vélos et en savoir un peu plus autour de ces deux-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous mets la miniature en fond et le lien évidemment est dans la description dès maintenant. Donc ça va être un petit peu le même système qu'on a avec les parachutes. Voilà, vous avez différents sauts en parachute, sauf que là vous aurez différents contre-la-montre. Ce seront des contre-la-montre journaliers, c'est-à-dire que vous en aurez un par jour, un petit peu comme ils ont fait en fait tout simplement avec le contre-la-montre du RC Bandito maintenant, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, d'ailleurs je vous en ai mis quelques-uns en vidéo. Les nouveaux contre-la-montre ont été rajoutés pour le contre-la-montre du RC Bandito, mais en même temps, la nouveauté avec le DLC San Andreas Mercenaries, c'est que le contre-la-montre du RC Bandito change de place chaque jour. Bah pour les contre-la-montre Junk Energy à vélo, ce sera la même chose. Mais avant d'en parler plus en détail, des récompenses et tout ce qu'il faut savoir sur cet événement, je vais vous mettre deux petits contre-la-montre qui ont été rec et qui ont été partagés sur Twitter. Je vous mettrai bien évidemment le lien des deux vidéos dans la description. Donc au niveau des informations que j'ai pu récupérer, voici ce que j'ai comme info. Il y aura en tout 13 nouveaux contre-la-montre vélo Junk Energy. Ils rapporteront 52 000 GTA dollars et 10 000 RP
à chaque contre-la-montre battu. Donc ça, c'est en temps normal. Après, ils risquent de temps en temps d'être doublés. Je pense même qu'ils seront doublés au moment où l'événement sera mis en place, parce que ça risque d'être un événement Junk Energy, comme ils ont fait l'an dernier avec les sauts en parachute. En termes de récompense, après, pour terminer, vous aurez, une fois le premier contre-la-montre battu sur GTA Online avec l'événement Junk Energy à vélo, vous aurez la possibilité de récupérer la tenue Junk Energy que je vais vous mettre maintenant en fond. Voilà, donc moi je pensais à la base, hein, quand ils avaient annoncé avant la sortie du DLC, ils avaient annoncé donc les nouveaux contre-la-montre. Et vu qu'ils avaient mis des customs HSW sur par exemple le Maibatsu Monstro City, je me suis dit, enfin je m'étais dit, on va peut-être avoir des contre-la-montre un peu plus off-road, un petit peu en mode rallye, avoir des espèces de petites étapes rallye. Bah en fait on aura des étapes à vélo, hein, ça va être le Tour de France limite, ou du B, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, les compétitions à vélo. En tout terrain, les compétitions de VTT, quoi. On est plus là-dessus, quoi, du coup. Et on aura donc un contre-la-montre à VTT avec un vélo électrique. Voilà. Donc, je suis un petit peu surpris, mais bon, après, c'est original. À voir ce que ça donnera en gameplay. Ça a l'air plutôt sympa, mais c'est pas un truc de dingue. Je m'attendais à mieux en termes de contre-la-montre. Voilà, les Breakers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet event et de ce nouveau contre-la-montre, hein, qui, comme je l'ai dit, du coup. M'a un petit peu surpris puisque je m'attendais à autre chose qu'un contre-la-montre à vélo, mais du coup, ouais, on est clairement sur un clin d'œil du solo. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelait le perso dans le solo qu'on pouvait rencontrer à 2-3 reprises pour faire soit du saut en parachute, soit des trucs via le Mont Chiliad, je m'en rappelle surtout. Voilà, qui s'écrase comme une merde ensuite dans le solo au niveau du barrage en voulant sauter en parachute. Donc voilà, je pense que c'est un gros clin d'œil à des activités qu'on pouvait avoir dans le solo avec ce personnage. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve dès demain jeudi pour les nouveautés de la semaine. A très vite, ciao.